Mettons hein, le 15 février, une fille de Cocorico. Une fille de Cocorico, notamment dont tout le monde parle en ce moment, et Bleuette du Seuil par Détroit. La famille de Missoko, une mère non placée, et qui nous présente ici son deuxième produit, et la mère est une sœur de Vicomte du Seuil, le remarquable cheval de France. Allez, on va marcher avec cette fille de Bleuette du Seuil. Donc la nièce du remarquable spécialiste du cross-country, Vicomte du Seuil, entraîné par Emmanuel Cailleux. Et donc, à la tête de la pouliche, né le 15 février, eh bien, vous reconnaissez ce visage, et c'est ce qui marque conquérante, c'est celle de Adeline Saulnier, 10 Zézette, 10 ans, Zézette est positive, 10 ans de travail chez Emmanuel Cailleux, elle vient de s'installer en ce moment pour faire de la remise en forme de chevaux, à côté d'ailleurs de chez Emmanuel Cailleux. Et donc je vous invite à la découvrir, Adeline Saulnier. Le 80, merci messieurs. Le 80 qui se présente dans le ring numéro 2. Et, ah, voilà, qui est né au mois de mai, non pas le 5 mars, mais le mois de mai. Raison pour laquelle elle est passée de la première à la deuxième section, c'est-à-dire ceux des fonds nés le plus tardivement. Une petite roulade, tout le monde debout, c'est reparti. Elle est très énergique. Hein. Elle est née au mois de mai, je vous le rappelle. La mère, c'est Sik des Sakar. C'est une fille de Costal Pass. La mère, elle est par Agent Bleu. La troisième mère, c'est Carbicla. Très très bonne jugement dans le sac du Carbicla. 5 victoires, notamment gagnante à Hauteuil. Et c'est la famille de Mono Alpo, le champion Mono Alpo, entraîné par Philippe Deltier, qui est d'ailleurs en train de juger, mais l'autre section, la première. Voici donc pour le 80. Donc je vous rappelle qu'elle a été basculée en deuxième section en raison de sa date de naissance du 5 mai et non du 5 mars. On va trotter ? Vous n'avez pas trotté encore, ben va trotter. À fond, droit devant. La système Guerradao. Et du côté du ring numéro 2, on va également partir en mouvement, en liberté au trot. Alors, quand il fallait marcher, elle était partie au trot, cette pouliche, et maintenant qu'il faut trotter, elle part en galop, évidemment. Toujours un train d'avance.